On le sait depuis une vingtaine, une trentaine d'années, sous les différents gouvernements, de gauche comme de droite, l'argument principal qui nous est sorti pour accepter les sacrifices et le fait que nos acquis sociaux disparaissent, ce serait qu'il faudrait accepter la concurrence. On serait dans un monde de toute façon où tout bouge, tout va très vite, et il faudrait de toute façon accepter finalement le plus bas de la législation sociale qui nous entoure. Et ça, c'est une spirale sans fin, c'est une histoire sans fin. Et nous, notre projet politique au NPA, c'est de prendre ce projet-là et de défendre l'exact opposé, point par point. On propose de prendre le meilleur des législations sociales qui existent dans les différents pays pour se le partager entre tous et toutes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se partage que la misère, il n'y a pas de raison qu'on se partage que l'austérité. Donc aujourd'hui, au nom de ces politiques d'austérité, on nous a retiré finalement la plupart de nos services publics, on a rogné sur la protection sociale, on a déglingué le système de santé, on flingue le système des retraites, on rogne sur les salaires, on prend l'argent finalement des profits pour les donner toujours un peu plus aux dividendes des actionnaires, c'est-à-dire à la rémunération privée de quelques actionnaires qui se gavent toujours plus, et puis on a développé la précarité de façon extrême. Donc nous, on propose un plan d'urgence sociale, c'est-à-dire aujourd'hui imposer des mesures élémentaires qui parfois figurent dans la loi. On pense à la réquisition des logements vides, par exemple. On pense par exemple au contrat à durée indéterminée qui fait partie de la loi et qui n'est toujours pas appliqué, puisqu'aujourd'hui on ne connaît que la précarité, l'intérim et la multiplication des CDD et des temps partiels imposés. Et puis on préconise d'autres mesures, récupérer par exemple les 10% du PIB, c'est-à-dire 10% des richesses annuelles que les capitalistes volent chaque année depuis une trentaine d'années, ce qui représente des sommes colossales, environ 200 milliards par an. Ces 200 milliards par an, ça permettrait d'augmenter tous les salaires. Ça nous permettrait par exemple de rétablir un système de retraite à 60 ans, un peu moins pour les métiers les plus pénibles. Ça nous permettrait d'avoir un emploi stable pour tous, d'avoir une rémunération décente, de pouvoir vivre simplement correctement et d'en finir dans un monde où finalement on passe notre vie à chercher à la gagner. Et quand on est en dehors du boulot, et on est dans un monde de plus en plus féroce où, par exemple, aujourd'hui, une personne sur trois renonce aux soins faute de moyens. Donc ce plan d'urgence, faudra l'imposer par le rapport de force. On le défend dans le cadre des élections, mais on n'est pas naïf. On sait que la plupart des acquis sociaux dont on bénéficie encore aujourd'hui un tant soit peu sont pas nés d'une quelconque promesse électorale, sont pas nés, je dirais, d'un morceau de papier qui figurait sur une profession de foi et qui aurait été appliqué par un gouvernement, même de gauche. Les acquis sociaux dont on bénéficie encore un tant soit peu aujourd'hui, la protection sociale pour ce qu'il en reste, les congés payés, les services publics, on doit d'abord et avant tout, parce que nos anciens se sont battus, ont fait preuve d'une solidarité exemplaire dans le cadre de mobilisations d'ampleur. On l'a vu, on est dans un pays qui sait lutter, qui sait résister, donc il faudra continuer à lutter et à résister, à la fois pour se débarrasser des mauvais coups, c'est-à-dire retirer toutes les contre-réformes libérales, notamment celles qui touchent la loi du travail, mais aussi imposer de nouveaux droits.